Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau live pour du Planet Zoo. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de Planet Zoo et c'est un vrai plaisir d'y revenir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Je vous préviens, je suis démonté ce soir. Je suis complètement au bout du rouleau, donc ce sera un live assez très très chill, encore plus que d'habitude. Donc voilà, juste pour vous prévenir, ça va pas dire qu'on va pas s'amuser ou quoi que ce soit, mais voilà, ça va être très très chill, ça va sans doute pas être jusqu'à la fin du monde, toute la soirée ou quoi que ce soit, mais voilà. Sinon, le plan ce soir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Planet Zoo, c'est le genre de truc en fait, je veux faire des lives quand on a quelque chose de spécifique à faire. C'est pareil pour Cities Skylines, on fait un live dessus la semaine prochaine. Et en fait, c'est parce que voilà, on a accumulé des éléments qu'on n'a pas terminés, qu'on a envie de fignoler. Je sens de faire beaucoup de trafic la semaine prochaine dans Cities Skylines. Mais c'est surtout ouais, plein d'éléments que juste j'ai jamais eu le temps de terminer, eu l'occasion ou quoi que ce soit. Donc ça va être cool, moi j'ai vraiment hâte de faire ça, mais ce soir c'est du Planet Zoo, parce que l'intérieur je sais pas combien de temps j'y ai passé, pas mal, et je me dis juste que voilà, j'ai déjà j'ai envie de le faire en live plutôt que dans mon coin, parce que j'ai besoin de me changer les idées, parce que juste faire ça pendant des heures et des heures et des heures, là je fous. Mais aussi, rien que les commentaires qu'il y a eu sur cet épisode, il y a eu quelques bonnes idées, des améliorations à avoir, donc ça montre bien la valeur qu'il y a à faire ça devant un public, parce que moi je suis tout seul à avoir des idées, mais vous enrichissez le pool d'idées que je peux utiliser, donc ça c'est vraiment vraiment cool. J'ai oublié de faire un tweet, donc on va faire un tweet vite fait. On termine l'intérieur du musée des vivariums sur Planet Zoo. Voilà. J'aurais bien aimé le faire avant, mais je suis remonté à 26. C'est sérieux. On peut faire une description sur une image maintenant. Cool. Hop. Ok. Alors nous voilà dans le jeu ici, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de dimanche, je vais vous spoiler, mais ouais, voilà, donc vous entrez ici et vous avez du coup ce hall d'entrée avec quelques vivariums ici, un vivarium là-bas, des murs pas du tout terminés comme vous pouvez le voir, et une pièce ici avec plein d'autres vivariums là, c'est plutôt sympa, une autre pièce ici. Et si on passe ici, on a le resto. Donc ça, c'est très sympa. Resto, ouais, faut que je change d'étape, c'est vrai. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre. La première chose à faire, peut-être, que ça va être de... non, j'allais dire de remonter le toit, mais non. On a d'abord envie de... voir... Hey Cassiope, merci pour ton 3e mois de sub. C'est super cool, merci à toi. Je pense que si on fait un truc ici... oui, waouh. Non, je le veux dans ce bâtiment-là. J'ai plein de bâtiments encastrés les uns avec les autres. Ce qui n'est pas le plus pratique, mais bon. Je pense que je vais prendre mon matériau vert. Ah, j'ai un toit arrondi. Peut-être ce qu'il y a... Alors, question étant, est-ce que j'ai envie d'utiliser ça ou... Peut-être un peu de 2 mètres. C'est peut-être mieux d'avoir un truc un peu plus large. On est juste ici. Hop. Ouais, t'étais pas là au début. Oui, je suis crevé. Je suis complètement mort. Là, aujourd'hui, j'ai eu... je crois que j'ai eu une heure de travail. Le reste du temps, je m'occupais de mon fils parce que madame avait une très grosse journée et de manière générale, elle a une très grosse semaine. Ce qui fait que je suis préposé au bébé cette semaine. Ce qui est très cool, hein, je passe des très très bonnes journées.
Mais ça veut dire que le boulot, il passe le soir, la nuit, le matin très tôt, et juste... Voilà, je commence à arriver à la fin de mes réserves. Alors, on va voir si je pose ça ici. Non, c'est trop bas. Parce que là, donc ça, c'est trop bas. Hop, on va essayer avec ça, du coup. Parce que ça, je suis sûr qu'on peut le caser. Si on le case là. Ah. Voilà. Faut qu'on ait la bonne hauteur et... Là, c'est ça. Ouais. Hey, salut Playmobil! C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que ça donne dans tout? Attendez, je vais en poser quelques-uns pour me rendre compte. Cafou, t'as pas loupé grand-chose. T'as loupé l'intro. On a commencé à placer des... Bon, j'ai envie de commencer par faire cette verrière et... Allô, merci. Ah, ça tombe pas juste. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas mal en vrai. Ouais, ça me semble pas mal. Et là, on est pas, on est bien. Ok. J'ai pas vraiment envie de prendre ça. Qu'est-ce qu'on a dans les toits plats? Faut que c'est pas obligé de d'être un plat. Un toit, on peut prendre ce qu'on veut. Attendez, ce qu'on va faire, c'est. Oh, what? Planète Zoo, c'est ça que je veux. J'enlève mon bureau. Voilà. Voilà, mieux. Du coup, si je... Alors, c'était quoi? J'avais regardé National Portrait Gallery. Portrait Gallery. Attendez, je vous remets ce que je viens de vous enlever. Du coup, ouais, ce que je regardais, c'était vraiment ça. Ça, c'était un excellent exemple de ce que je veux faire. Donc, on a... Ah ouais, vous voyez, là, en fait, c'est en pointe. Est-ce que je veux le faire en pointe? Je suis pas obligé de refaire exactement la même chose. Hey Benji, merci pour le sub et de 2 mois, merci pour tout. Bah, merci à toi pour ton soutien, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et du coup, non, nous, je pense qu'on n'a pas envie de reprendre exactement ça, notamment parce que ça, cette partie arrondie, je vois pas comment on pourrait la faire. Donc, on va garder cette partie arrondie là. Ouais, ce sera bien. Après, faut aussi qu'on réfléchisse à comment, comment je vais réussir à... Ouais, quoi que ça va. Je veux dire, à faire en sorte qu'on ne voit pas trop au-dessus, mais c'est pas choquant. On a vraiment du coup besoin de s'assurer qu'autour, ce soit une couleur beaucoup plus claire pour qu'on ait un vrai, comment dire... Contraste avec le bois qu'on voit là. Vegalex, merci pour les cheers, pour le cheer. Un grand merci à toi. Mec, il faut qu'on ait du contraste et direct, il se dit, oh, du bois, c'est pas mal. Non, pas du bois. Je vois bien un truc, ouais, en pierre blanche. Ou... est-ce qu'on a du calcaire? On a du plâtre. Ouais, je sais qu'il y a du calcaire. Truc de neige, oui, c'est blanc, ouais. Truc de neige, en vrai. Parpaing, oh, non. Ah, calcaire. Ouais, j'aurais bien aimé avoir des briques, mais faut voir. Du verre, sinon. Je pense que ça... Du verre, je pense pas.
Ça se tente, hein, mais à mon avis, ce sera bizarre. Ça fera trop de couleurs, sachant qu'on a, on a du bleu sur les murs aussi. Salut 3D Man! Bah, la... Moi, j'aime pas du tout la charpente apparente en fait. C'est pour ça que je pense que la laisser là-haut, c'est bien, mais ça suffit. Et le parking, peut-être ce soir, Cafou, même si j'en doute. J'en sais rien, on verra. Je suis pas pressé pour terminer le parking. Edil, non, je n'ai pas commencé à jouer à Celestia et je n'ai pas prévu de jouer à Celestia. Je crois que j'en ai parlé dans un autre live où on m'a contacté en mode Hey, ça te dit? J'ai fait Ah, ou je sais pas, peut-être. On m'a invité au Discord. J'ai rejoint le Discord et je n'ai jamais rien fait. Je n'ai participé à aucune discussion. Je n'ai enfin, vraiment rien, rien, rien. Et le jour où Celestia est sortie, on m'a dit que j'étais dans la liste des participants. Et, mais je ne suis pas, je ne suis pas participant. Enfin, moi, en tout cas, je me considère pas comme participant. Juste, j'ai juste rejoint le Discord. Clampin, merci pour ton troisième mois d'abonnement. Et du coup, tu viens de lancer un train du hype. Ou de la hype. Je crois que c'est censé être féminin. Merci pour ton soutien. Je crois que c'est la déco... Ah, c'est ça que je... Si on va regarder à l'extérieur, il y a... Genre ça. Ça, ce sera parfait. Mais... Ouais. Alors, attends, c'est lequel? Attends, c'est facile, ça c'est que... Calcaire. Habillage mural. Ah, ouais. Bon, attends, je vais tous les tester, ils sont pas mal. Wow! Du coup, le niveau 1 est déjà terminé. Vegalex, merci en plus du tuyau tout à l'heure pour ton sub de niveau 1 et Hoshihai également pour ton sub avec Twitch Prime. Très très cool. Et si, Shane, c'est tout à fait ce que je suis en train de regarder pour les moulures. Absolument. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Tiens, attends, juste. Allô? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme moulure? Ah, peut-être une moulure toute simple. Comme ça, pour ici, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Oh. C'est pas parfait. Bon, on va les coller les unes à côté des autres pour se rendre compte. Ah, celle... Ah, ouais, celle... Celle-là, elle dépasse. Ce qui n'est pas grave en soi. Parce qu'on peut changer la hauteur très légèrement. Toi, tu te ramènes par ici, s'il te plaît. Allô? On l'entend bouger, mais... Bon, tu ressembles à quoi? Vas-y. Ah, oh, c'est relou ce système. Bon. Tac. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... Celui-là ne marche pas trop. Loak Nanook, merci pour ton sub avec Twitch Prime. Mettre de la lumière dans l'espace entre la corniche et la verrière. Ah, là. Spade. Et pas là. Il n'y a pas vraiment assez de... Alors, ouais, vous dites quoi la troisième? 3. Troisième choix 2, et faire l'eau va pour la 3. Bah écoutez, tout le monde a l'air d'être d'accord pour la 3. Ces deux-là, je les garde. Bon, c'est quoi, je vais garder tout en bas. Putain. Allô? C'est relou la grille des fonds.
Voilà, je les ai posés random au milieu. Côté intérieur, de quoi plus de... Je comprends pas ce que ça veut dire côté intérieur. Et du coup, vu qu'on met une corniche ici, ça veut dire qu'il y a un changement important, qui est que tout ça, on va pouvoir le rabaisser très légèrement. Hop. Bim! Ah non, c'était mauvais. Très bien, cool. Hey, Escape Man! Merci pour ton sub avec Twitch Prime! Excellente utilisation de Twitch Prime que voilà. Là, c'est bon, c'est bien positionné. Yes! J'ai même eu un emote grâce à toi. Et le train de hype est terminé. Non, on a atteint le niveau 1, c'est ça. Ce que je disais, moi j'ai reçu un emote aussi. Yes, c'est bon, c'est fait. Ok, ah oh, c'est pas mal, j'aime bien. Ok, il y a juste ici et ici du coup. Je vais légèrement les décaler. Fait. Chouchou. Hop. Oh, c'est parfait. Ouais, si, j'aime bien. Faire la même chose de l'autre côté. Ah, mais là, il va pas vouloir parce qu'il se met dans le mur, en fait. Et moi, on va le séparer. Très bien. Le train de la hype, c'est en gros, si t'as plein de gens qui sub ou qui donnent des cheers et des trucs comme ça, de suite, ça lance un train de la hype qui, en gros, encourage à continuer le mouvement. Dans un court laps de temps, et tu peux avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3, et à la fin ça donne plein de d'emotes et des trucs comme ça. Donc voilà le principe. Je pense que je vais virer ça du coup. Je suis pas. Je pense que mettre juste le mur en quelqu'un ce sera très bien. Oh là là, ça lag tellement. Oh, je veux pas que ce soit la fin de mon parc ça. Ça devient de plus en plus difficile de jouer. Hein. Un enfer à placer. Ah. Ok, là c'est cool. Et pas trop fort la musique là, Samu? C'est quoi lui?
finalement, je pense pas qu'ils soient nécessaires. Donc là, je vais faire... Alors, comment est-ce que je fais ça? À votre avis, est-ce que je fais la même chose ou est-ce que je le fais en virage? Je suis assez tenté de le faire en virage, moi. Alors, paf, paf, c'est pas mal. Je me complique la vie, hein, mais je pense que ce sera mieux. En rond, c'est peut-être moins compliqué. Ah non, non, en rond, ce sera clairement plus compliqué. Je vais quand même le faire, hein, mais c'est clairement plus compliqué. Bon, là, il y a un mini gap, mais oh, ça va. On le voit pas, on le remarquera pas. Quoique, de toute façon, je crois qu'il y aura quelque chose par-dessus, donc ce sera bon. Chef, j'utilise Première pour mes montages. Vegas, non, mais tu m'as pris pour qui? Je suis vexé. Bah, en fait, plus sérieusement. Vegas, c'est pas un logiciel professionnel. C'est très bien pour commencer, ce que tu veux, mais c'est pas un logiciel pro. Et surtout, je le mettrais vraiment, vraiment à genoux avec ce que je fais, particulièrement les timelapses. Peut-être qu'il a changé depuis, mais en tout cas, je me souviens que quand je m'étais enseigné il y a des années, quand je faisais mes timelapses Minecraft, Vegas n'aurait jamais pu faire ce que j'avais besoin de faire. Pourquoi la question du KHL si tu connais rien? Alors, si toi je te prends et que je te mets. Ok, comment est-ce qu'on va faire la jonction? Avec ça, nickel. J'avais peur que ces pièces n'existent pas, mais on est bon. Donc j'ai pris la 2 mètres. Virer une seconde sur deux, alors là. Benji, pas de viennoiserie ce soir, je vais manger. 10 minutes. J'ai pas de. Et puis j'ai pas. Ouais, non. Pas de viennoiserie ce soir. C'est triste, je sais. Je deviens vieux et responsable. Mais non, sinon, HL. Je sais pas. Essaye de voir si tu trouves quelque chose sur les internets. Une grande source d'infos, mais là je t'avoue que
Les internets sont très fouillis, oui, certes. Mais remplis d'informations quand même. Non, non, place-toi. Ouais. Tac, tac, je vous chope et je vais légèrement vous déplacer. Non, vers la gauche, pas vers le haut. Bon, la main. Pourquoi le faire en T? Ce que je fais? Attends, quoi? Je comprends pas, Shane. Pourquoi pas faire quoi en T? Ah, pourquoi pas le faire en T? Tu veux dire genre comme ça qui continue ici? Parce que le toit va changer de sens comme tu vas le voir. En fait, le toit il est comme ça. Et ici, il fait un angle. Du coup, là, je vais me retrouver à l'extérieur du toit, globalement. Si jamais je le fais en tête. Pourquoi dans Planet Coaster, je faisais des maisons hantées? Ah, maison hantée. Ah, ok, d'accord. Ok. J'ai compris la blague. Alors. Allez, mais place-toi! Bon. Triche de ouf, mais ça a marché. Oui, oh parfait, en plus ça se rejoint, c'est magnifique. C'est vraiment un enfer de construire d'en dessous en fait. Faut toujours essayer de construire du dessus parce que c'est... Ok. Pourquoi tu... dit le mec, du coup, juste avant de recommencer à construire d'en dessous. Bam, là, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, le toit, ouais, dans ma tête, il était jamais terminé parce que il manquait tout ce travail-là. Mais là, clairement, ça lui donne un beau petit cachet en plus. Pourquoi tu veux pas te mettre à la même hauteur, toi? T'es sérieux, toi? Mais, c'est fou. Mais quelle blague! Yeah! Salut les rouilles! Ah voilà, on est... Oh, on est bien là! Ça, c'est très cool. Ok, donc ça, on enlève. Ainsi que ceci. Zou. Attends. Ouais, le bâtiment sera vraiment utilisé, ça c'est vraiment super. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que j'aime beaucoup les bâtiments juste visuels. Mais bon, bah, ceci dit, je dis ça, j'en ai pas... Parce que même à la base, déjà, ce bâtiment, je comptais mettre quelque chose dedans. Je savais pas encore quoi, mais je m'étais dit que je mettrais quelque... Quoique... Est-ce que j'avais prévu de mettre quelque chose dedans au début? Pas sûr, en vrai. Je crois que oui, mais j'étais pas sûr quoi, donc... Ah mince, là, on n'est pas bon du tout au niveau...
trop chelou. Il va falloir qu'on monte les murs, ok. Et ici aussi. Alors, bah Cafou, attends, parce que faut quand même que je rejoue. Enfin, après, je vais remettre le toit par-dessus. Hein. C'est. C'est vrai que c'est super sympa d'avoir juste la verrière. Bah, ça donne le même effet que ici. Ici, pour le coup, c'est le vrai toit. Ouais, c'est super sympa. Les dalles sont pas trop hautes, je crois. Ah, si, bien joué. Les dalles sont absolument trop hautes. Pourquoi est-ce qu'elles changent de hauteur? Je comprends pas. Allez, monte et descends. Voilà, beaucoup mieux. Oui, je voulais faire un resto, mais je voulais que ce soit un musée aussi, hein, à la base. C'était le musée de l'homme, ou je sais plus quoi. Bah, de l'extérieur, je trouve pas ça méga joli, non, c'est ça le truc. Mais moi, l'effet que je voulais donner, c'était ça, pour vous remontrer pour ceux qui n'étaient pas là. C'était ça. Et du coup, tu vois que de l'intérieur, c'est sombre, mais en même temps, c'est un... En même temps, les vivariums, c'est toujours un peu sombre, je crois. Genre tout ce qui est serpents, araignées et tout, tu les vois pas en plein soleil dans les parcs, quoi. Enfin dans les zoos en tout cas, donc moi ça me va très bien que ce soit un truc comme ça. Musée d'archéologie, oui mais il a eu plusieurs noms, c'était jamais très très clair. Ah oui par contre c'est un enfer à placer, oui ça ne fait aucun doute. Alors ça on est bon, là on est bon aussi. Ok, niveau toit. Là, c'est bon. À côté, c'est bon. Et ici... Ici, je pense que je vais pouvoir faire un copier-coller exact. Et voir. Faut que j'enlève ceci. Écoute, Seven, sur ma photo, en fait, le toit... Enfin, ce que tu vois sur la photo, je crois que c'est une... C'est... Comment dire? C'est un toit. Ou c'est un plafond. C'est pas une vitre, en fait. Moi, j'ai décidé de mettre une vitre parce que j'aime bien. Je sais même pas... Est-ce que j'aurais pu mettre un truc opaque? Non, j'aurais pas pu. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix, voilà. Mais ouais, l'idée, c'est pas forcément que ce soit une vitre, en gros. Oui, Primobi, j'aurais passé... je pense... au moins 15 heures sur ce bâtiment, en tout. Facile. Ouais. Ah, écoute, on se refait pas. Ok, mais du coup là, chut. Et là, il y a... Ah ouais, il y a des trucs. Hop, faut quand même passer en dessous. Grimfield, merci pour le sub. 10e mois d'abonnement en plus, c'est super cool. Un grand merci à toi. En plus, je sais que tu ne me soutiens pas que sur... sur Twitch, donc c'est d'autant plus apprécié. C'est ça, Igil, il y a de la lumière artificielle hein, quand on regarde ici, donc je pense que c'est suffisant d'avoir juste les quelques fenêtres sur les côtés. Oh, ça a beau être tellement joli, en fait, d'avoir... non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai sectionné là? C'est quoi ça? Ça peut être tellement joli, je pense que c'est juste pas... C'est pas réaliste de l'avoir là. Mais bon, le temps de quelques screens, le temps du live, c'est sympa de pouvoir voir ça. C'est le moment où il faut surtout pas lâcher la touche contrôle quand je sélectionne quelque chose, sinon il faut que je refasse intégralement la sélection. Bah, je crois qu'on est bon. Du coup, hop.
Et c'est pas mal du tout. On avance bien en plus, là, ça fait une demi-heure qu'on a commencé le live, on a déjà mis toutes les verrières. Donc, l'idée, c'est, je suis d'accord que c'est super joli. Il y a une part de moi qui a envie de le laisser comme ça, j'adore le fait de voir la progression. Mais comment est-ce qu'on pourrait le garder? Il faudrait qu'on le mette plus haut et qu'on mette genre le toit rouge qui arrive jusqu'ici et au-dessus on a le truc, ça fait bizarre. Alors que là. Pour vous donner une idée, ça donne ça. Peut-être le laisser juste pour le resto. Ça se défend, faudrait trouver un moyen de le laisser pour le resto. Ça donne quelque chose comme. Ouh, mais non, ça. Ouais, bon, ça faudra l'enlever. Avec des moulures en plus ici. Trop stylé, j'aime beaucoup. Donc, ouais, ce qu'on peut changer. Bah, je comprends hein, tout à fait pour le fait de préférer la verrière. Techniquement, en fait, je trouve que c'est plus joli avec la verrière, mais c'est pas réaliste. Non mais t'étais bien là, pourquoi tu t'es barré? Mais DB, tout le monde me parle non-stop de cet enclos des lions, mais je suis désolé, il n'est pas si irréaliste que ça. Hein. Si vous regardez, les lions ne peuvent pas sauter si haut que ça. Tout le monde est en mode ah, les lions peuvent sauter et buser tout le monde. Non, il y a un écart quand même. Hein. Les lions peuvent pas sauter si haut que ça. Et il y a genre peut-être un ou deux endroits où c'est limite, mais à part ça, bon, les gens peuvent facilement rentrer dans l'enclos des lions. Ça, ok. Mais tout le monde est en mode ouais, les lions peuvent sortir trop facilement. C'est faux. C'est faux. Allez, place-toi. On vire le toit. Je sais pas si ça changera grand chose. Bon, tu te. Oh, ça commence à me saouler. Est-ce que je peux pas le mettre au-dessus parce qu'il y a un mur. Enfin, il y a un toit. Oh. Non, même pas. Mais pas du tout, c'est pas du tout là que je le veux, c'est insupportable! Bon, si j'essaie d'en placer qu'un seul. Ça devrait pas être si difficile que ça. Oh les relous, bordel! Le fait de ne pas pouvoir utiliser le déplacement précis pour ces pièces-là, pour les pièces qui clipent, c'est chiant. Il y a aucune raison de. Enfin, si, c'est arbitraire, quoi. C'est les devs qui ont fait, ah, ben, il n'y a pas besoin parce que.
Mais c'est pas grave, tu fais du déplacement précis et ça switch, enfin ça saute de l'un à l'autre, c'est très bien. Si tu sais quoi, si il y a un moyen de faire de couper une image sur deux, tu passes ta séquence en. Enfin, faudrait que j'y réfléchisse, je vais pas forcément le faire en live. Mais si tu passes genre ta séquence en 15 images par seconde, ça va faire sauter une image sur deux. Et après, tu l'incrustes enfin, tu gardes cette séquence et cette séquence-là, tu la mets dans ta vraie séquence qui sera à 30 images par seconde, par exemple. Et voilà, voilà comment tu peux te débarrasser d'une image sur deux. Ah, une seconde sur deux. Ah. Une seconde sur deux, j'avoue que... Quel projet de merde aussi, qui a besoin de faire sauter une image sur deux? Nope. Je ne sais pas du coup. C'est vrai que je sais pas. J'avoue que ouais, pareil, j'utilise Premiere tous les jours, mais là, une seconde sur deux. S'il y a un moyen de faire avec des macros, des trucs comme ça, je sais pas. Salut Julien! Sont TP dans Minecraft toutes les 2 secondes. Ah oui, d'accord. Écoute, voilà pourquoi les timelapses, ça se fait avec des images et pas avec des vidéos. Les vrais timelapses, c'est une séquence d'images. Moi, tous les timelapses, bon, pas dans mes vidéos, parce que c'est pas des vrais timelapses. Mes vidéos genre Planet Zoo et tout. Mais les timelapses Minecraft que je faisais, par exemple, tout était filmé avec des images et non pas des vidéos. Mais bon, j'imagine que je suis un peu un puriste pour ça. Peut-être dans la minorité, hop. T'as dit rien, bah voilà, ouais. Hop, nickel. Bon, là, on commence à avoir des trucs vraiment sympas. Oh, c'est dommage de s'en débarrasser en vrai, ça, c'est très... ça me rappelle le Louvre en fait. Salut Antoine, bienvenue pour ton premier live chez nous. Ok, donc celui-là, a priori, il n'y a pas besoin de changer grand-chose, si ce n'est que ces trucs-là, je les aime vraiment pas. Vois s'il y a moyen de... Il y a quand même besoin de quelque chose, mais on peut faire quelque chose de plus petit, plus discret. Et en vrai, là, on va carrément l'enlever parce que ça se retrouve face à...
Ah, du vide en gros. Ah, et tiens, ici, c'est vrai que j'avais besoin de. Hop, nickel. Ok, juste pour voir ce que ça donne maintenant. Ah ouais, on a quand même besoin de ça. Qu'une image sur tes 24 ou 28 secondes, tu as une image, une seconde sur deux. Ouais, mais il a envie de garder plus qu'une image. Oh, pour ces 2 secondes. Ah, ok. Ok, question étant, est-ce que pour le resto, on va essayer de faire quelque chose de différent? J'aurais tendance à dire que oui, c'est une bonne idée. Ouais. Ici. Donc l'idée étant de faire quelque chose comme ça, tout simplement. Ici à peu près. 30 ramène aussi. On supprime. Ok. Bah en fait, du coup, ça, on aurait tout intérêt à l'intégrer aussi, ouais. Hop. Bim, ça, c'est bon. On enlève la plateforme en dessous. On attend de trouver mieux. Et ici, on va voir les toits. C'est exactement ça que je veux, c'est parfait. On est d'accord que ça c'est 1 mètre, hein, ouais. Ok, bah c'est tout ce dont j'avais besoin. Maintenant il me suffit de prendre paf paf paf. Ah oui, bah non, c'est pas grave. Hop. Je te mets là. Toi, je te mets ici et on va juste supprimer ce du bas. Non, toi, t'es diamant. Bam, donc on va trop loin. Non, on va pas trop loin. Non, on va pas trop loin, donc on est bon. Paf, toi, on te décale jusqu'ici. Ah mince. Ok. On termine avec toi comme ça. Et normalement, ce bout de toit-là, il est. On va le baisser pour voir. Tu étires sur un second. Ah oui, vous êtes toujours là-dessus. Antoine, non, non, c'est mon boulot à temps plein, YouTube. Depuis 2000. YouTube depuis 2011, mais je gagne ma vie grâce à YouTube depuis début 2013. Ok, donc là, en vrai. Je pourrais me débarrasser d'une partie qui dépasse là. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok, bon, on va laisser tel quel, très bien. Toi,
Ah, qu'est-ce qu'ils sont relous quand ils font ça. Bon, on va en prendre deux. On en colle deux. Et on va aller en supprimer. Alors, comment est-ce qu'on a envie de gérer cette partie-là? Tester d'utiliser juste ça. Ça peut le faire. Hein. On met juste le contour, rien de plus. Ok. Il faut juste que je fasse le placement exact. Attends, parce que là. Ouais, ça se voit que de l'extérieur. Ouais, c'est nickel. Ok, ça c'est le placement exact que je veux. Parce que vous voyez qu'on n'aperçoit pas le gris, mais d'en dessous ça marche. Tiens, non, c'est pas bon. À la place du toit qui descend. Attends, à la place du toit qui descend. Ah là, au niveau du mur, pourquoi pas mettre de la végétation? De quoi? Ah là, tu voudrais de la végétation? C'est pas la pire idée au moins. Ouais. Ouais, c'est même potentiellement une bien bonne idée. Alors. À quoi sert le verre s'il y a un toit? Parce que d'en dessous, ça donne une arche, comme tu peux le voir. Et j'aime bien. Voilà. Je pense que je vais quand même mettre de l'éclairage à l'intérieur et tout. Je limite deux ou trois. Attends. Paf. Ok, fort bien. Est-ce que là, j'ai besoin de rajouter quelque chose? Non, ça passe nickel. Oh, c'est cool! Il va falloir que je mette le bord. Ça. Un deuxième point à route ici. Oh bah j'allais changer, mettre une autre pièce, mais en vrai là ça marche très bien, non? Bon, allez, on va faire les choses proprement, on va mettre la vraie pièce qui est adaptée pour ça. Qui est celle-ci. Ouais, c'est un peu plus propre. Allez. Yeah! Et voilà! Ouais, l'éclairage c'est prévu. C'est juste pas. Enfin, ouais. Et là, du coup, bah, si on met de la végétation, ça règle le souci. Le resto, du coup, qui est vraiment éclairé, c'est joli. Alors, on a des. Ouais, on a des. Des. Comment ça s'appelle? Des. Snakes. Serpent, mais c'est pas grave. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai enfin réussi à régler le souci des vibrations? Est-ce que genre là, si je bouge mon bras de micro, est-ce que vous entendez toujours les genre HL, toi qui le remarquais souvent? Rien du tout. Oui. Et vous savez comment j'ai réglé ça? Alors, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Au scotch, le scotch, mes amis, le gaffeur, c'est le bien, le gaffeur. En fait, c'est trop chelou.
En gros, il y a le micro qui s'appuie sur une mousse qui est là pour atténuer le bruit. Et sachant que le tout est quand même sur... Genre, ça, c'est spécifiquement fait pour atténuer le bruit des vibrations. Et en fait, à l'endroit où le micro se visse, ça, c'était un... il y avait un tout petit peu de jeu parce que ça devait pouvoir tourner. Donc moi, maintenant, par exemple, c'est beaucoup plus difficile pour moi de tourner le micro, même si c'est jouable, mais bon, je le fais rarement, donc c'est pas grave. Quoique c'est pas vrai quand je forme mes intros. Ouais, et ouais, et du coup, à cet endroit-là, ça tournait, donc c'était du métal sur du métal. Et donc j'ai bourré le truc de scotch, ça a été une galère pour fixer le micro. Mais déjà, il n'y a plus de vibration, et pour ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est pas très joli, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du Chatterton, HL, du gaff tape, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Je vais laisser, tant pis. Ok. Ah, une porte de service. Oh, une porte de service, c'est une trop bonne idée. J'adore. Ouais, carrément. On va mettre une porte de service. Mais on va pas s'arrêter à une porte de service, vous allez voir. Ah non, mince. J'allais dire, je vais mettre une échelle, mais l'échelle, elle est dans Planet Coaster. Il n'y a pas d'échelle, je crois. Eh ben, je peux la faire moi-même, mais c'est... Ah, mais ça passe comme échelle en vrai. Ouais, ça passe de ouf comme échelle. Allez, très bien. Alors, on vérifie. Ah, si. Trop stylé ça. Et est-ce que les pas sûr qu'ils aient des échelles, non. Non, il n'y a pas. Non, mais c'est très bien ça. Ouais, c'est très très bien. Ok, donc là il faut qu'on mette quelque chose par contre, je n'ai pas oublié. Oh bien. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ok,
hop. Nickel. Putain, ça rend super bien. Je suis content. Je sais pas encore ce que je vais faire de ce côté-là, par contre. Ah oui, d'accord. Mais quand on met la nuit, ça donne la nuit. Atlantis, merci pour ton sub. Un grand merci à toi, c'est très très sympa. Ah ouais, ça, ouais, d'accord. Ah ouais, c'est peut-être un peu plus fort que ce que j'avais en tête. Putain, j'ai toujours des bugs et mon clavier ça commence à devenir très drôle. Ah, en plus, ça traverse, bah super. Okay. Autre possibilité, si je le colle ici. C'est pas ouf. Peut-être juste laisser sans rien, ouais. Si, si, il y a un néon, c'était juste pas ce que j'avais en tête, mais je pense que c'est ce que je vais finir... L'IA, parce que l'idée, c'est surtout... Enfin, ça se base sur une image. Mais je te rassure, il y a... hop. Oh, dans le resto. Dans le resto, la verrière est à l'air libre. Toi, t'es vraiment pas assez fort, en fait. On marque à peine. Bah, ouais, je voulais recréer de la lumière, mais là...
Ouais, Benji, c'est ouvert que 2 jours, mais hein, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'économiser des pièces, c'est pas un bon objectif, pas un mauvais objectif à avoir là tout de suite. Alors, est-ce qu'on considère que ça c'est terminé en vrai? C'est vrai que... Ah non, là. Je sais pas encore pour la végétation dans le coin du toit. J'ai vu beaucoup de gens le suggérer, même dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a pas de panneau, comment ça de panneau? Ah, c'est ici que certains voulaient que je mette un mur végétal, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Les panneaux éducatifs, il y en a 2 ici. Peut-être en mettre 2 ici aussi en vrai. Autre chose. Nickel. Ça, c'est trop vide ici. On verra si on met quelque chose. Là, peut-être un poêle, mais en même temps, tiens, là, on va juste mettre un panneau restaurant. C'est pas mal. Je sais pas encore pour les lumières au plafond. En fait, le truc, c'est que 2 jours, ça marche pas très bien, je trouve. 2 jours, c'est pas ouf. Et 2 nuits. Ben on voit jamais le zoo de nuit, du coup, mais... Pour un jour de plus, c'est vrai. C'est vrai que je devrais mettre de temps en temps la météo. Salut, 12-10! Bah écoutez, je trouve qu'on est pas mal là. On va modifier un petit peu ça. Oui, on va. Ces tables-là, peut-être les garder pour plutôt des snacks, des trucs. Je trouve que pour un resto, c'est... Bah ouais, mais le problème... En fait, le truc, je pense que...
au fond de moi, j'aimerais le faire, mais comme l'a, l'a si bien dit. Je pense que c'était pas CNDD. Enfin, bref, ça demande trop de ressources. De ça. Ça veut dire que je rajoute des pièces. Et je vais pas pouvoir en jeter éternellement des pièces. Du coup, ouais, je pense que je préfère ne pas le mettre plutôt que de le mettre et que plus tard le jeu me dise « Ah bah non, du coup, t'as abusé, t'as mis trop de pièces, donc tu peux pas mettre des trucs plus importants. » Et non, pas de normes Covid ici, y a pas besoin. Non, par contre, je me dis que si je veux que ce soit un resto un peu sympa, je vais quand même mettre les tables perpendiculaires et tout, je pense que ce sera mieux que bordélique comme ce que j'avais fait avant. Pas du tout, je me suis inspiré du musée de je sais plus quoi à Johannesburg. Enfin, pour la partie extérieure, pour la partie intérieure, j'ai juste regardé une photo de la National Portrait Gallery de Londres, et c'est tout. Mais si tu trouves que ça ressemble au musée d'histoire naturelle de New York, c'est cool. Ça veut dire que je respecte les codes, on va dire. Ah ouais, mais CNDD, il n'y a que ça pour le coup. En termes de table dans le jeu, j'ai pas le choix. C'est table de pique-nique ou pas de table. En tout cas, j'ai rien avec un dossier. Moi, c'est ça que j'aurais aimé mettre, c'est un truc avec un dossier, mais il n'y a pas. Non, mais je pense que je m'arrêterai là. Pour les tables, je trouve qu'il n'y en a pas du tout trop, vous imaginez. Enfin, vous n'êtes pas allé à beaucoup de cafés parisiens. il y aurait beaucoup plus de tables que ça, même. Mais non, là, je trouve que c'est pas mal. J'ai en effet décidé de ne pas en remettre là, parce que devant le bar, ça fait bizarre, mais... Ok, il faudra rajouter des trucs sur les murs, peut-être. Hop, toi on peut t'enlever. Oui, ça ressemble aussi au Louvre, absolument, c'est ce type d'intérieur-là que je voulais. Alors, bon, ça on va s'en occuper, mais dans un premier temps, j'ai envie de gérer déjà ça. Pourquoi est-ce que j'ai un panneau ? Le resto sera... le resto n'est pas fonctionnel et c'est un problème. Vous savez quoi ? Ouais, non, le resto n'est pas fonctionnel, là. Mince. Ok, pour le rendre fonctionnel, j'ai plusieurs options. Soit je supprime le bar, ce que je trouve dommage, mais bon. Soit je les incruse genre dans les piliers là, peut-être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux mettre genre un là. Dans les pieds.
À l'extérieur, il y aura une terrasse, du coup, ouais, mais je vais pas mettre les restos à l'extérieur. Du coup, ça me semble un peu bizarre. Je pense que je vais les mettre là. Oui, ils vont un peu se marcher dessus. Mais c'est pas grave. Oh là là, ça lag. Dès que je veux enlever juste une pièce, c'est horrible. Limite, je vais peut-être plus le mettre là et là. Ouais, lui, je vais le laisser. C'est le Martin Lilan. Martin intelligent. C'est l'intérieur du musée avec tous les vivariums. Non, il y a, à ce que je sache, s'il y a un moyen de moins laguer, je veux bien le connaître, mais je crois pas. Hein. Alors, faut pas oublier qu'il y a un resto là avec la Mexcelente, donc faut pas qu'on mette ça. Plutôt mettre genre. Un Dog Squad? Chief Beef, allez. Mmm, tasty. Et boisson de l'autre côté. Oh, des smoothies, j'aime bien ça. Oui, je peux diminuer le nombre de visiteurs, ouais. C'est triste. C'est dommage. C'est quoi la différence entre les deux? Hein. Pourquoi est-ce que... Mais putain, comme c'est relou, pourquoi est-ce que là il se met... Non, même là il se met pas parfaitement, ouais. Bon, bah on va être bon pour mettre une devanture, nous. Hein. Est-ce que c'est trop? Oui. Est-ce qu'on va quand même le mettre? Oui. Alors, je suis en pause, toujours. Hein. Pour ce qui est de baisser la config, baisser pour la végétation, je trouve que c'est vraiment triste. Pour l'eau, un peu aussi. Je vais essayer de survivre comme ça. Si jamais je suis obligé de baisser un truc, je le ferai, mais je vais essayer d'éviter.
Nickel. Paf, paf. Là, on va pas en rajouter, non, c'est pas... On a un dance floor comme ça, c'est super. Alors... Ok, donc, on est en train de s'occuper des toilettes. Oshi, non, c'est la carte graphique n'aidera absolument pas. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais une 980 Ti dans ma config. Et là, j'ai toujours la carte de, que j'avais utilisée, que Zotac m'a prêtée pour le live Minecraft RTX, qu'ils n'ont pas encore récupéré. C'est donc une 2060... Non, 2080 Super. Donc quasiment la meilleure carte graphique que tu puisses acheter. Et pourtant, bah, comme tu le vois, ça suit pas. Donc non, la carte graphique ne change rien du tout. Malheureusement. C'est mort, Benji, tu es banni de la chaîne pour avoir suggéré une atrocité pareille. Quelle honte. Non mais je vous jure. Ah mince. Ouais, toi, je vais devoir supprimer tout ça. Attends, mais... Je... Ah oui, d'accord, les toilettes font partie de ce bâtiment-là. Ok, bah très bien. Salut Sachad. Je suis pas sûr que ce soit une question de processeur non plus, parce que si je regarde là tout de suite, par exemple, en termes de proco... S'affiche... Où est-ce qu'il s'affiche le logiciel ? Ah, attendez, parce que j'ai plusieurs ordis qui tournent, vu que j'ai l'ordi de stream. Je crois qu'il s'affichait sur un autre écran. Ouais. Donc là, actuellement, Planet Zoo me consomme 47% de mon processeur. Ce qui semble indiquer qu'il y a toujours de la marge, quoi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Donc, si j'étais à 100% de mon processeur, alors là, oui, clairement, c'est qu'il me faudrait un processeur plus puissant. Sir Flavien, non, c'est vrai que j'en ai pas profité pour aller voir les anciennes maps. Parce qu'il y a tout un processus de conversion et tout que j'avais pas forcément envie de faire. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Enfin, je pourrais toujours en vrai. Une entrée de toilette la plus classe au monde, avec des colonnes. Je sais pas pour les cœurs, parce que voyons voir... Bien. Mince. Ah oui, performance. Comment est-ce que je fais déjà pour avoir la vue avec chaque cœur? Ah oui. Affichage. Non, processeur. Ah, processeur logique. Ah, peut-être. Peut-être que t'as raison, parce que pour tous mes cœurs bassent autant. Et j'ai 12 cœurs. Non. J'ai 6 cœurs, 12 threads. Ah, peut-être que si j'en avais plus.
Non, non, mais là, clairement, le jeu est pas mono-thread parce que tous mes curses bossent aussi fort, là. Ils sont tous à la 80%. Ils sont tous quasiment exactement sur la même courbe. Donc, ouais, peut-être. Faudrait que je vois. Faudrait que je demande surtout à des gens, peut-être, qui ont des... Qui auraient plus de threads. Un dépôt cache, c'est une excellente idée. Vous voyez, de l'intérêt de faire des lives et des trucs comme ça, c'est que vous êtes toujours plein de bonnes idées. Finance. Il n'y a pas moyen de l'incruster ? Mais bienvenue Eagle, bienvenue pour ton premier stream. Ah ici, oui, je crois que c'est au montage ou en regardant mon épisode. Non, non. Oh la vache, j'ai appuyé sur supprimer. Heureusement qu'il l'a pas pris en compte. Et je me disais que attends, non, ça je vais le remettre. Tac, toi. Que je veux, c'est que tu sois incrusté. Il y a un moment où en regardant l'épisode, je me suis dit, ah, ce que j'aurais dû faire, c'était ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, avec la porte en moins. Ah, tiens, tac. Nickel. Du coup, par contre, toi, changer comme ça. $50 pain et tout et $70 pain et cost. Wow. Et B, t'as du courage. Chapeau. Mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Nickel. Ah non, pas nickel, pas nickel du tout. Ok. Si je le ressors, oui, ça c'est nickel. Ok, paf, paf. Mais en même temps, moi j'ai déjà fait ça pour des séries aussi que j'attrape en cours de route et je me dis, oh c'est trop bien, et tu regardes... Tu binges de malade et là t'arrives à la fin et tu te rends compte que soit le pire c'est le mec n'a jamais fini sa série, ou à la limite le mec continue mais du coup faut que t'attendes quoi. Faut que tu reprennes un rythme de mortel et tu regardes un épisode quand il sort toutes les semaines. Et c'est terrible. C'est terrible. Là. Il est où? Ah, c'est chelou. Ah non, ça doit être dans décoration de toi, c'est ça. Je vais dire, pour le coup, je sais ce que je cherche et je sais que ça existe.
Classe. Ah oui, bah ouais, gros, je suis désolé. Malheureusement, je sais déjà pas si je vais réussir à suivre, à tenir ce rythme très longtemps, alors aller plus vite. Non, mais non. Là, avec le confinement m'a vraiment vidé en fait. Je vous ai à peine imaginé ce que ça aurait été si j'avais chopé le virus. Mais ouais, non, c'était vraiment trop. Pas une seconde où ça s'arrêtait et tout, c'était. Donc. Et encore, enfin, je pense aux soignants qui, eux, bossaient pour la survie des autres. Moi, c'est juste que je. J'ai pas arrêté entre boulot, bébé et tout. Et j'ai pas encore pu m'en remettre. Pas encore eu l'occasion. Du coup, je crois que je vais gentiment. Je vais ralentir la vidéo pendant l'été, juste en mode hey, désolé les gars, il y aura moins de vidéos, j'ai besoin de respirer. Oh, ils font du mal à finir mes séries. C'est faux. Mais là, ce zoo-là, il n'est pas impossible. Je vais tout faire pour éviter, hein. Mais il n'est pas impossible qu'on ait à faire sans la zone asiatique ici. On verra selon les performances de l'ordi et tout, machin, à quel point c'est instable. Mais moi, je commence à me dire que, enfin, wow, ça devient de plus en plus désagréable de jouer. Si j'en suis qu'aux deux tiers du zoo ou quelque chose comme ça, je sais pas si je vais tenir 40 épisodes de plus. Et Eagle, si tu veux du Cities Skylines, t'en as 6 saisons ou quelque chose comme ça à regarder. Donc, t'as de quoi faire. Ok, donc. Est-ce qu'on valide? Parce que j'ai surtout envie de terminer des endroits. Est-ce que ça, c'est bon, c'est terminé à 100%? Je pense que oui. Ah non, on avait dit qu'on voulait mettre un truc en hauteur. Ok, bon. Celle-là, elle est terminée à 100%. Ah, est-ce que j'ai envie de changer? Peut-être je vais changer un petit peu les plantes, là. Certaines personnes m'ont suggéré de mettre des plantes plus hautes. C'est une bonne idée. Pas inintéressant. Sinon, il y aurait un truc comme genre prendre celui-ci et mettre juste le. Celui-là. Oh! Oh, c'est pas inintéressant ça! Oh, j'aime bien. Un an d'attente. Ah oui, c'est vrai. Un an d'attente pour Planet Coaster, c'est vrai. Cities Skylines Industries. Un an d'attente? Quoi? Ah oui, enfin j'ai arrêté quoi. Ouais. Prison Architect, ouais. Mais sur Prison Architect, je l'ai dit que. Bon, pas, genre, j'ai pas fait de vidéo en mode la série s'arrête, mais je l'ai dit tout de suite, il y aura pas de suite. Oh, c'est trop stylé ça, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment bien. Une lampe, ouais. Je pense que c'est. Je sais pas. Non, je pense que c'est bien comme ça. À réfléchir, ce tunnel de verre là, il pourrait très bien marcher tout autour. Ouais, faut voir. Du coup, je vais y réfléchir parce que peut-être qu'ici, je déciderai de mettre la végétation.
Eagle Way, c'est une sorte de... C'est SimCity en version moderne, de très stylé. Et pour... ouais, bah Eagle, si tu m'as... Si ça fait qu'un mois que t'as découvert, toi t'as pas eu à l'attente du pirate, mais ouais, le pirate, j'ai eu du mal. Hein. Le village que finalement j'adore a failli tuer la série, hein, clairement. Très très clairement. Alors là... Ah, mais j'avais mis des colonnes. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais fait les choses bien. Alors, moi je pense qu'on va utiliser les mêmes codes si on peut. Et lequel est-ce qu'on avait utilisé? C'était le 3, donc c'était celui-ci. Ça marche pas. Ouais, les vieilles séries, mais c'est... Parce qu'elles sont toujours regardables, les vieilles séries. Quoique, récemment, le nombre de messages que j'ai eu de gens qui disaient qu'ils avaient refait tout Minecraft, hier. Hey, Boons! Merci pour le sub! Un grand merci pour ton soutien et toujours content de vous inspirer. C'est clairement un début. J'avoue que moi, c'est aussi que c'est ce qui me fait plaisir, hein, de créer comme ça. Mais je pense que ouais, le fait d'inspirer des gens et quoi, à chaque fois que je vois des commentaires disant ah ouais, je savais plus quoi faire et tout, j'ai regardé tes vidéos et j'ai repris de plus belle. Je trouve toujours ça trop trop cool. Genre même, ça m'arrive des fois de voir des gens qui copient mes bâtiments et qui me les envoient. Et je fais très bien. Enfin ouais, copier les bâtiments des gens pour apprendre l'outil, quoi. Après vous pourrez passer à autre chose. Mais c'est un super moyen d'apprendre, tout simplement. Oh, je crois que j'ai la flemme, en fait. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce toit à la main? Honnêtement, rien n'est moins sûr. Ouais, Sir Flavien, moi je trouve que les premiers Cities Skylines, ils font un peu mal maintenant. À regarder, moi j'ai du mal à les regarder, en tout cas. Bah, c'est-à-dire que non seulement je trouve que j'ai fait des progrès en tant que youtubeur, en tant qu'animateur, ce que tu veux, mais je trouve aussi que, ouais, en termes de contenu... Est-ce que c'est assez haut? Pas... Ah si, c'est assez haut! Oui! Excellent. Excellent. Mais par contre, un truc que je trouve fascinant, c'est que sur toutes mes maps Cities Skylines, je trouve que j'ai vraiment un style. Et je saurais pas vous dire ce que c'est, je saurais même pas vous dire si j'aime beaucoup être coincé dans ce style-là, mais je trouve que d'une map à l'autre, on retrouve... Il y a une certaine patte qui s'en dégage. Ça me fait assez... ça me fait marrer quand je retrouve la même patte sur les maps les plus récentes, en fait. Oh, yes. Ça marche super bien. Ouh là.
gameplay, c'est pas étoffé avec les DLC. Ah oui, pas mal, oui, carrément, ouais, ça s'est beaucoup étoffé, je trouve, avec les DLC. Style américain. Ouais, style américain, mais pas que, je trouve que, tu vois, genre dans mes échangeurs et tout, les échangeurs que je fais, ils sont pas spécifiquement américains. Bon, après, ceci, mes échangeurs, c'est plus dans les dernières saisons que je les ai surtout faits. Mais par exemple, je me souviens que mes banlieues de ma série After Dark, à ce jour, je les trouve vraiment excellentes. Le côté très quadrillé, enfin ouais, très quadrillé, mais avec une hiérarchie des routes et tout, j'aimais beaucoup. Je fais des régions là où beaucoup font des villes. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Ok, tout ça c'est fait. Hop. Oh. Oui, c'est prévu pour l'américain. C'est ça, moi, le nombre de gens qui me disent « Oh, c'est nul, tu mets des routes quadrillées et tout. » Enfin, tu fais que des angles droits. Tu fais « Mais t'as vu le quadrillage dans le jeu ? » Si tu fais pas des angles droits, tu te retrouves avec plein d'espaces pourris. La seule solution étant de plopper tes bâtiments. Alors là, on part sur une tangente. Hein. Mais moi, j'adore ça, le fait de plopper les bâtiments. Je l'ai beaucoup fait sur ma dernière saison quand j'ai fait la capitale. Ça rendait ultra bien. Mais je vous rappelle que je faisais des lives de 3 heures pour faire un pâté de maison. C'était terrible. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup, hein, mais faut avoir 50 heures pour faire juste la capitale. Townscaper, ouais, Townscaper, ça n'a rien à voir surtout. C'est... Mais oui, le côté pas du tout quadrillé, ça marche bien pour ça. Alors, oh, ça j'aime beaucoup. Ce qu'il nous reste à faire, donc le resto, est-ce qu'on considère qu'il est terminé ? Faut habiller un petit peu les murs, mais ouais, on peut habiller les murs maintenant. Attends, c'est moi ou on a... Ah non, d'accord, ok, c'est la musique qui a juste deux trames, très bien. Oh, on va l'appeler la grenouille. C'est trop bien. Alors. La grenouille. Non, pardon, avec un accent, on va dire un vrai faux accent. Bienvenue à la grenouille. À qui est-ce que j'ai... C'était avec mon fils l'autre jour. Parce que du coup, moi, je lui parle qu'en anglais, ma femme lui parle qu'en français. Et... On a un... C'est ça, on a un bouquin que notre voisine nous a donné... avec du français genre un papillon, one butterfly, deux abeilles, two bees, voilà ce genre de truc là où il faut ouvrir des flaps. Et pour rigoler, parce que j'étais là, ma femme était juste à côté, mais mon fils me l'a apporté, j'ai fait exprès de prendre vraiment un accent. C'était pas avec ce bouquin là, je sais plus ce que c'était, mais où je faisais vraiment le papillon. Ah non, si, je sais, c'était un vieux bouquin que j'avais moi quand j'étais gamin, avec des... en gros, c'est les machines qui roulent. Donc il y a tout du métropolitain, une charrette, une motocyclette. En plus, c'est des vieux, ce bouquin. Beaucoup plus vieux que moi, je pense. Donc il y a des vieux termes, il y a genre des trucs qui sont dans des musées et tout. Et pour le fun, parce qu'il me l'a donné à moi et que les termes, déjà là, quand je vois le truc, je les connais pas forcément en français, je les connais pas en anglais non plus, donc je prenais un accent horrible, genre « une motocyclette !» Enfin, je forçais l'accent français horrible, et ça les faisait tous les deux beaucoup rire. Mais ouais, mon fils, ça le fait marrer quand je lui parle français. Souvent parce que je force le truc, parce que c'est un effet comique, mais parce que sinon je lui parle pas du tout français. Donc voilà. Voilà. C'était pour la petite histoire.
Ça m'a fait mal. La Dentrobat. C'est quoi? Attends, quoi? Ah, un genre d'infirmière, ouais, d'accord. Non, inconnu, c'est bien. Et la grenouille avec un boa constricteur. Oui, absolument. C'est bête parce qu'il y a des grenouilles en plus. Je suis trop bête. Attends, toi, t'es... Alors, il y a une grenouille là. Ah, mais il y en a deux. Attends. Là, c'est la rainette. Là, ça va être le cocoy. Et là, c'est la grenouille vénéneuse. Franchement, je pense que je vais les inverser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ça ressemble plus à une grenouille en vrai, mais... ça s'appelle pas la grenouille. Oh, regardez comme c'est trop... Oh, j'aurais fait un salut. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets lequel? En gros, soit la rainette, ce que vous venez de voir. What? C'était quoi le... Il y a eu un bruit de bisou. What? Ou alors... Ah voilà, sinon il y a la grenouille vénéneuse. La rainette? Il y a votre la rainette. La grenouille... Alors, c'est... Non, c'est pas le menu de la... du resto. C'est pas un resto français, en vrai. Parce que... Ah si, d'accord, j'ai mis un truc dans les favoris. Ok, tout le monde dit la rainette. Très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, du coup, c'est animaux... Tous. On les envoie au centre d'échange. Ah, du coup, je dois enlever la pause. Je vais juste sauvegarder quand même. Moi qui ai passé tellement de temps à réfléchir à quels animaux je voulais où, finalement, je les bouge. Alors, est-ce que le boa, il est trop loin? Non, cool. Ouah, comment ça lag dès que j'enlève la pause. Alors, du coup... Non, non, ils arrivent direct, super. Ça reste ma traduction préférée du jeu. Mister, en anglais, c'est monsieur, mais c'est aussi un truc qui fait de la brume, un brumisateur. Là, Mister, ils ont mis monsieur. Donc je ne sais pas qui a fait la traduction, mais clairement, c'est pas un francophone. Mais ça me fait beaucoup rire. Ok, installation.
Nickel! Pourquoi est-ce que eux, ils ne retiennent jamais? Ah, parce qu'il n'y en avait plus dans les coins. Mais en fait, Benji, ouais, j'avais donné l'anecdote, je crois, pendant la bêta du jeu. Et donc là, bah, y a des problèmes pendant la bêta, y a pas de soucis. Enfin, on n'est plus en bêta, les gars. On n'est plus en bêta du tout. Oh, il y a de la vie en plus, il y a des gens qui se baladent, c'est génial. Oh, ça me plaît beaucoup. Oh, et en plus, j'ai réussi à vraiment limiter pour qu'ils passent que par la porte, c'est génial, c'est trop. Ok, donc nous, on était en train de faire la déco de la grenouille. Alors, Eagle, ouais, je stream tous les mercredis, mais que le mercredi, en effet. Plus, c'est pas viable pour moi. Je sais que beaucoup stream beaucoup plus que ça, mais moi, j'y arrive pas. Déjà, un stream, c'est pas toujours facile à caser, alors... Est-ce que ça fonctionnerait ? Et la semaine prochaine, ce sera du Cities Skylines, du coup... et la semaine suivante à confirmer, mais je suis plutôt chaud pour faire du Civilization 6, la nouvelle extension avec les nouveaux modes de jeu qui sont sortis. Je ne les ai pas encore testés. Et d'ailleurs, Julien, si, il me semble que tu y avais joué, non, si je ne m'abuse. Pas forcément la nouvelle extension, mais Massive... Parce que je pense que ce serait mieux en multi, du coup je pense que je vais assembler un petit crew pour jouer, ça pourrait être cool. Ok, ça marche pas tout à fait, mais on va corriger ça. Ouais, Eagles, j'alterne toujours les jeux. Après, ça tend à être les mêmes qui reviennent un petit peu, hein, mais ouais, j'alterne. Et c'est toujours 20h30. Non, ce ne sont pas les musiques du jeu, c'est la playlist Stream Beats que vous pouvez trouver sur Spotify. Tu sais quoi, j'en ai marre de cette couleur. Ce mur-là, il va être d'une autre couleur.
J'essaie de trouver une couleur qui marcherait bien. Et Sam, ok, bah, tous les VRM globalement sont terminés. Là, je suis en train de terminer le resto. Salut Darktimo, salut Empereur. En bleu. Ouais, le pisé, cette matière-là, elle s'adapte pas très bien à ce genre de couleur-là. Mais le truc, en blanc, je suis d'accord, sauf que c'est pas joli en fait, avec les textures. C'est ce que je dis, on enlèverait. Allô? Oh! On enlève les textures, c'est très joli, mais là. Igor, sérieux? Mais tu savais qu'on pouvait changer la couleur des éléments du jeu, non? Trop, ça marche pas, hein. Ouais, vert, ça rend bien, mais quel vert? Allez, c'est quoi? Il y a du jet vendu, on fait celui-là, basta. Et du coup, pour que ça se démarque bien. En effet des LED. Hop. Nickel. Le verre bleu, il marchait pas. J'ai essayé ça. Bah, c'est cool. Est-ce que... Oh, attendez. Je pense que ça marchera pas, mais voir ce truc-là. Est-ce que ça marcherait comme tapis, ça?
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche ou pas? Ok, donc on a ça et on peut faire genre par exemple. À la limite, on peut le faire en mode paillasson à moitié. Voilà, parfait. Comme ça, on utilise quand même toutes les permutations. Mais pas en un seul bloc qui fait trop cool. Bah l'idée, la raison pour laquelle je mets tout aligné, c'est parce que l'idée, c'est en fait que tout ça, c'est un seul tapis. C'est juste que j'utilise différents éléments pour en faire un grand. Ah ok, cool. Donc ça, est-ce que j'ai besoin de... Ouais, si, vous savez quoi, éclairage. Alors ça c'est le seul éclairage qu'on a pour... Oh, oh mais si, c'est parfait en vrai pour l'Amérique du Sud.
Ah, c'est stylé! Je suis très content. Oh, attendez, il y a un truc qui serait encore plus ouf. Je n'ose l'espérer. On va voir dans 2 secondes. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Oui, on peut changer la couleur! Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Très content. Regardez-moi ça! Et le mieux, c'est que si on passe ça à minuit, carrément, carrément. Putain, on s'y croit de ouf. Il serait temps qu'ils fassent le DLC avec les volières et tout. Mais en même temps, qui sait? Parce que les volières étaient dans le code de Jurassic World Evolution, également fait par Frontier, et pourtant on les a jamais vus dans le jeu. Donc je sais pas. Ah oui, la grenouille de nuit, c'est vrai, avec les lampes derrière. Ma gueule? Ah, si. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ce qu'on peut faire... Genre ça marche pas mal. Pour ceux qui diraient, ah mais ça change rien, c'est si. D'ailleurs c'est pas assez sombre encore. Hein? Ok, cette pièce-là...
Non, en vrai, c'est bon. Elle est un peu vide, mais c'est pas grave. Tout n'a pas besoin d'être complètement rempli. Ça, c'est bon. Cette pièce-là est validée. Cette pièce-là, ça, c'est vide, mais c'est pas grave. Elle est validée. Est-ce que le resto, il est validé? Il manque des trucs sur ces murs-là, mais je pense que je le verrai une fois que je finirai la structure. Il reste surtout cette pièce-là. Comment est-ce que j'ai envie de gérer ça? Lui, il... Déjà, voilà, je vais venir fermer tout ça parce que c'est ridicule de toujours pas l'avoir fait. Et je vais sans doute m'arrêter vers... Vers 23h. Parce que, hein, comme on a dit, je suis la claquitude. Et vu que mon fils va se réveiller à je ne sais quelle heure demain, beaucoup trop tôt, hein. Ça marche pas ces murs-là ici. On va mettre autre chose. Est-ce qu'on a des murs en carrelage ou une carrée comme ça, non? Ah, les briques peintes, tiens. Ouais, les briques peintes, c'est pas mal. Oui, ça m'occupe. Pouvoir assembler des VRM pour en avoir des plus grands, ce serait trop trop bien. Parce que là, moi, j'en ai mis genre deux côte à côte qui ont le même animal dedans. Mais bon, déjà, on voit le vert entre les deux. Pareil ici. Mais ouais, je comprends pas pourquoi il y en a que une taille. C'est ridicule. Enfin, ça coûte absolument rien de l'avoir en double. Tu changes rien au système, juste en mets de 1, 2 et 4 cases, par exemple. Ouais, on peut peut-être espérer ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour la boutique? Vous avez des suggestions?
Bois vertical, ça... Ah, cocktail bois horizontal. C'était le bois horizontal, peut-être. Non, non, oui, des étagères, ouais, mais ça, là, c'est surtout le ce matériel que je recherche. C'est sympa. Au moderne, peut-être. Ah, mur végétal, là, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée. En vrai, non, le mur végétal... Ouais, peut-être là. Et limite, parce qu'on a... Regardez ce qu'on peut faire. Ah, on va s'en sortir. Hop là, nez de venture ici. Ah mais tous ceux-là ils sont trop bas depuis le début en fait. Mieux. Hey coucou Flo. Ah oui, si tu veux me parler ce soir, c'est en effet en live. Ah oui. Flo, probablement seul, mais on, à voir, c'est juste qu'on on a le budget pour, mais on peut rajouter un truc. On s'appelle dans... Allez, j'arrête à 23h, on s'appelle à 23h si tu veux. Oui, ingénieur Flo, pour ceux qui connaissent, C1015 est une extrêmement vieille amie à moi. Qui est donc apparue dans C1015 plusieurs fois. Oui, on va voir. Just a momento. C'est lequel le... on va le mettre là, juste au-dessus. Et du coup, je pense que je vais faire un truc, peut-être pas à double étage, mais un étage et demi en termes de hauteur sous plafond, pour pouvoir faire un vrai beau mur végétal. Et on avait le Hats Fantastic aussi, qu'on va mettre juste... Ça marche, ouais, je vais me coucher après aussi. Ok, bah demain, ouais, demain, on se tient au courant, t'hésites pas à m'appeler. Très vieille, genre 95 ans. Mais ouais, elle est très très vieille. On se connaît depuis le CE, hein, c'est vous dire. Non, elle a pas 95 ans, mais c'est vrai que dans son comportement, ouais, elle fait un peu 95 ans, faut pas mentir. Hein. Ah bah de toute façon on peut pas... Ouais si on s'en fiche. J'allais dire, on peut pas faire plus que 1,5, mais si, ça on peut très bien le supprimer si on veut. Hop.
aussi. C'est vrai que t'as encore moins de 30 ans, t'es un petit bébé, toi. Hop. Ok, je vais pas mettre le toit tout de suite parce que ça va être galère de construire à l'intérieur après. Mais ça, c'est pas mal une fois qu'on aura mis les. Qu'est-ce qu'on a comme poteau qui marcherait dans cet environnement-là? Quitte à faire un truc moderne, non. Bah en vrai, ils sont où les. Décor structure peut-être, ouais. Tous ces blocs-là, c'est les blocs que j'ai utilisés pour ça. Est-ce que ça marcherait pas de les utiliser ici? Oups. Quitte à peut-être changer la couleur pour. Ah, on peut pas changer la couleur. Oh. Magnifique. Ça passe. J'aurais aimé un truc un peu plus sombre, mais franchement, ça passe. Cool. Quel couleur pour le mur? Ah, le mur du resto, je l'ai mis en vert du coup. Ça ressort pas beaucoup, mais je sais pas, ça marche. Bah cool, écoutez, on a vraiment bien bossé. Je pense que je vais m'arrêter là. Dans le. On peut essayer de corriger ça. Ok. Est-ce que si toi... Oh, t'es sérieux? Mais quel relou! Eh ben tant pis, là on mettra un truc à ce niveau-là et là ça s'ouvrira. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir parce que je suis claqué et qu'on a quand même sacrément bien bossé pendant 2h30 là. En vrai, en 2h30, oh, la vache, on a fait les choses. Hein. On a, pour ceux qui nous ont raté, enfin qui ont raté une partie du live, on a enfoncé cette partie-là parce que j'ai eu une vision. Je sais pas, j'étais loin du PC, je me suis dit, oh, faudrait faire ça. Donc ouais, là j'ai enfoncé, je trouve que ça rend super bien, ça donne du relief à ce bâti, à ce, j'allais dire bâtiment, ce, ouais, cette structure dans le bâtiment. On a commencé à mettre les intérieurs ici, ça c'est sympa. On a fait surtout la verrière ici, ça a été un taf monstrueux. Donc ça c'est vraiment super que ce soit fait, vous avez vu qu'on a aussi mis tout ça en hauteur. Peut-être que ça manquerait d'un trim en bas, d'une plinthe. Peut-être que ça ajouterait un petit peu à réfléchir. On a un petit peu changé la verdure ici. Voilà, on a appelé notre restaurant La Grenouille. Et ici, on a refait quasiment, enfin pas intégralement, hein, mais on a remis toutes les tables, on a mis des tapis, on a mis des vrais, un vrai restaurant et un truc de smoothie. Et on a mis voilà, une grenouille ici. Et du coup, à l'extérieur, on a un petit peu géré aussi ça comme ça, même si on n'oublie pas que l'extérieur, c'est surtout pour le prochain épisode qui sort dimanche. Donc, je vais m'attaquer à ça demain. Bisounours tueur, c'est pas le nom. Tu vas calculer le temps.
Tu suis depuis Tekkit. Ah oui, la vache. Eh ben écoute, ça fait ultra plaisir que tu suives depuis tout ce temps. Parce que ouais, Tekkit, c'était 2012. Bah, si tu regardais au moment de sa sortie, en tout cas, ouais, j'ai commencé en genre avril 2012. Donc ouais, ça fait 8 ans. Et là, là cet été, je fête là dans un mois, quasiment jour pour jour, je crois que c'était le 11 août, je fête mes 9 ans sur YouTube. Donc ouais, voilà, voilà. Sacré parcours. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des suggestions quant à ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'intérieur, pourquoi pas pour l'extérieur, n'hésitez pas à me les laisser soit en commentaire. Là, alors, ça va ressortir sur Twitter, sur YouTube en rediff ici. Donc soit en commentaire sur la rediff, soit n'hésitez pas à me le mettre sur Twitter, c'est un bon moyen de me joindre. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour la suite. Bye bye.